Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 230 de Stage 1. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, très longtemps. Attendez, je pose ma manette, on va pas commencer à jouer maintenant. Je faisais mes études, j'étais en BTS, en informatique à l'époque, donc du coup faudra peut-être que je mette à jour ma description sur YouTube. J'ai fait ma petite vie, mon petit bonhomme de chemin, j'ai fini mes études, j'ai trouvé un boulot, j'ai fait plein de choses. Et bref, en fait, j'étais pas là. Donc, j'ai arrêté de faire des jeux vidéo. J'ai continué à jouer, mais pas pour faire des vidéos. J'avais pas forcément la motivation non plus. J'ai vendu mon Alienware que j'avais à l'époque. Maintenant, les années ont passé. J'ai quand même un matos un peu plus. Voilà, un vrai PC, un vrai micro, une vraie maison, un vrai style. Non, même pas. Enfin, Burke. Enfin, bref. Je suis là. Et. Je voulais commencer soft, je voulais faire une petite vidéo très sympathique. Je sais pas si elle sera sympathique, en tout cas on est plus sur du jeu de console, on est sur du jeu PC. Alors vous m'excuserez si je regarde pas la webcam, parce que ça vraiment, j'ai aucune habitude de me filmer, donc là même la qualité sera moisie. J'ai commencé à refaire une introduction, elle sera... J'imagine que vous l'avez entendu déjà, venant regarder cette vidéo. Je sais pas si elle est mieux qu'avant, moins bien qu'avant, normalement je vais faire en sorte qu'elle soit de meilleure qualité. On est sur du Adobe Premiere, on est sur Adobe Premiere Pro. Avant j'étais sur Sony Vegas, il y a des choses que je voulais faire, peut-être que je voulais mettre un fond vert, mais je trouve pas ça utile, voilà. Donc là, je suis chez moi, je suis à côté de mon salon, à côté de ma salle à manger, avec ma cuisine au fond, un paquet de céréales, super. Voilà, c'est chez moi, la preuve en est que cette vidéo est faite vite faite. Et bref, trêve de plaisantation. Ça n'existe pas, ce mot n'existe pas. On va jouer à Thomas Was Alone. Thomas Was Alone, très connu. Voilà, j'en ferai des beaucoup moins connus à l'avenir, parce que j'ai eu le temps quand même de collectionner, on va dire, beaucoup de jeux indépendants. Même des vrais jeux aussi, mais les jeux indépendants, ouais, il y en a quand même beaucoup. Thomas Was Alone, je voulais pas dire une connerie, hein. Il me semble que c'est indépendant. Voilà. Je ne me prétends pas expert dans les jeux, je suis testeur, voilà. Je prends un jeu... Je regarde s'il me plaît, je dis ce que j'en pense. C'est... Voilà, c'est pas... J'ai pu faire des erreurs dans mes... Il y a encore quelques années sur mes vidéos. Voilà, maintenant je tiens à le préciser, je m'informe pas forcément trop sur les jeux. Je connais le style, évidemment, sinon je le prends pas. Je connais un peu le jeu. J'essaye, ou alors je vais jouer pour la première fois, comme on faisait à l'époque. Thomas Was Alone, je connais déjà. Voilà, on va pas se mentir. Et j'imagine que vous en avez déjà entendu parler ou vous connaissez, et on va y jouer maintenant. C'est un petit jeu puzzle, tout simple, tout bête. Allez, c'est parti. Trêve de présentation. Thomas Was Alone. Et là, par contre, c'est dark, on voit plus ma caméra. Ah oui, au fait, vous ne m'aviez jamais vu. Voilà, au passage, hein. Voilà. Donc ça aussi, on va le faire à partir de maintenant. Je peux incruster ma caméra plus facilement qu'avant, en tout cas... Avec la configuration que j'ai, ça marche mieux. Et on est parti dans le jeu. Alors, ils me disent en gros d'utiliser. Donc, on peut sauter. Nous sommes une brique de. Une brique, un truc rouge, un morceau de viande. On pourrait se croire dans un autre jeu que je ne citerai pas. Mais le but de Thomas Was Alone, c'est tout simplement de se rendre dans les cases. Voilà, alors vous allez pas bien me voir, effectivement, je suis un peu dans le noir. Je penserai la prochaine fois à me mettre une petite lumière. Désolé, parce que du coup, je suis déconcentré par le son du jeu, mais non, c'est pas grave. Allez, donc Thomas Was Alone, c'est tout bête. Hein. Comme je vous ai dit, on se balade, on peut sauter, on peut pas faire grand-chose, hein. Voilà. Mais on peut faire ça, c'est déjà pas mal. Voilà, deuxième niveau plutôt facile pour l'instant. C'est vraiment, vraiment du jeu de puzzle. Je suis pas forcément fan du jeu de puzzle, mais il y a certains jeux comme celui-là où je suis capable de jouer assez longtemps au même jeu. Alors par contre, pause menu. Left,
but gently. Alors, je suis un handicapé. Left. Case left thumbstick. Space A bouton. Jump esc start button. Merde. Alors voilà, je vais être un handicapé parce que je sais pas du tout comment faire. Ah bah si, c'est comme ça. Voilà. On a résolu ce mystère là. This all seemed a little dangerous. Donc là, il faut vite se barrer. Was not to be trusted. Was unstable and it seemed to top. C'est juste pour nous expliquer en fait qu'on va ça pour nous faire un petit résumé de tous les obstacles qu'on va rencontrer jusqu'à maintenant. Qu'on va rencontrer plus tard, même d'ailleurs. Alors, je n'écoute pas du tout ce qu'il dit, par contre, du coup, sa voix m'empêche énormément de parler. Ne vous inquiétez pas. Yep. Hop. Pour l'instant, c'est encore à peu près facile. Tout va bien. Arène extraordinaire. Oui. Yo. Yep. On monte. It always seemed to be one step ahead of his skills. Alors si on lit l'histoire, il me semble que en gros c'est le mec qui découvre la vie quoi. Et on lui a donné un nom. Yo. He wondered why was the world. Bon, comme je vous ai dit, c'est assez soft pour ce première vidéo. Hein. Je vais pas vous faire des dessins. Ah, puis si on a un checkpoint qui permet que si je tombe, bah je reviens sur ce checkpoint plutôt que de recommencer le niveau complet, ce qui peut être très pratique. No amount of observation or obsessive note taking could combat that. Ah, hop. Le but. Voilà, ça commence quand même à devenir un peu moins simple. Voilà, au fur et à mesure. Ouh. Allez. Bon, au final, c'est assez répétitif. Après, quand vous vous y jouez, vous allez souvent beaucoup réfléchir parce que c'est jamais, c'est toujours des énigmes de plus en plus dures. Et il faut bien retenir tout ce qu'ils nous ont dit. Juste, enfin, de ah, ça a donné la nausée par contre. Hein. Attention, vous allez choper mal à la tête. Ah, allez. Oui, la porte, oui. Non, oui, voilà. Ah, vous me voyez de temps en temps, c'est pas mal. Faut vraiment que je me mette une petite lumière en face. Hein. Parce que c'est un peu moi aussi, ça va, je suis bien en jaune. Ah, ça y est, je crois qu'on a un ami. Et oui, parce que Thomas was alone, mais pas trop, hein, voilà. Was alone, mais juste au début. Alors il faut que je me déplace, voilà, de personnage en personnage, je peux contrôler lui, et je peux contrôler lui. Donc, lui il peut pas sauter haut, donc en gros lui, il vient là, lui, il saute ici, passe par lui, on repasse sur lui, et terminé. Voilà, ça commence, allez, ça commence. Oh putain, ah oui par contre l'eau ça tue, ça, c'est vachement connu, hein, évidemment. Hop. Voilà, je peux pas aller plus loin, donc il faut que j'aille trouver mon copain. Hop. Alors, le coup de corps, il apparaît en même temps. Rien d'extraordinairement compliqué. Sauf quand on est en handicap. Hop, et c'est parti, il se démerde. Et moi j'y vais aussi. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à descendre. Ouh. Vous sentez là la difficulté là, qui se ramène. Alors ça, c'est pour faire ça. Et là on va rigoler, ah non. Ah non. C'est un escalier, alors il monte. C'est juste super barbant, heureusement qu'il n'y a pas 3 milliards de marches. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate.
Seriously, this made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Petit feu d'espoir. Hop. Et voilà. Alors le son est super fort dans mon casque, j'espère que ça ne s'entend pas dans le micro, sinon je suis dégoûté. En tout cas, je recommence pas la vidéo. C'est juste pas possible. Alors du coup, c'est lui qui va m'aider. Hop. Et on appuie sur le bouton. Et ça fait ça. Alors, pareil, alors là, il y en a un qui va aller d'un côté. Ah non. Et hop, hop, hop. Ah, je sens que je vais passer 2 heures. Yolo. Yolo. Allez, on s'en fait encore quelques-uns. Et on s'arrêtera là parce qu'après bon bah vous avez compris un peu le principe du jeu. Et puis bon bah, comme c'est un peu ma vidéo de retour. Hop, pour l'instant, je suis pas trop dans mon élément là, je joue mais je me dis voilà quoi. Ouais, et hop, on est passé. From the vaulting yep. idiot. Yep. He hoped the next portal would split them up. Alors, il faut que j'aille là-haut pour faire quoi levels. On y va, on verra bien. Alors, on remarque qu'il y a un petit lumière de soleil là. Hop, on voit l'ombre. T'as le soleil. Ah ! Vive le truc qui me le checkpoint. Ok. Donc moi je suis là et lui, il vient par ici. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui. Voilà. Et attention, Thomas was encore moins alone que tout à l'heure parce que on a un troisième pote. Qui va être super chiant. À terme, c'est super chiant à gérer. Parce que là, du coup, le petit doit être sur le grand. Mais comme le grand peut pas sauter tant qu'il a quelqu'un sur lui, donc on fait descendre lui. On met le grand en place. On met le moyen côté, le petit sur le grand. On met là. Non. Non. Hop. Lui, il monte. Et lui, il passe dessus. Et. On va s'arrêter là. Déjà, ça fait bon, 12 minutes, c'est à regarder. Je vais essayer de revenir sur le main menu pour que vous me voyez. Voilà. Je suis là. J'espère que cette petite vidéo sera bien. J'espère, voilà. Je vous promets pas un montage de ouf. On va essayer de faire quelque chose de simple pour cette reprise. Et puis dans l'avenir, si j'en refais, parce que je vais essayer quand même d'en refaire. On va essayer de faire quelque chose de bien. Donc si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. Vous abonnez, vous partagez. Je veux pas de page Facebook. Enfin si, il y en a une, mais voilà. Vous verrez dans la description si je remets les liens. Parce que est-ce que c'est encore un intérêt? Il n'y a pas tellement de communauté. Voilà. Donc abonnez-vous et mettez en commentaire si vous aimez aussi surtout. Parce que les commentaires, mine de rien, ça fait vachement plaisir. Et c'est grâce à quelqu'un dont j'ai complètement oublié le pseudo qui me harcèle dans le commentaire depuis pas mal de temps, bien un an, en me demandant de refaire des vidéos et je me suis dit ben rien que pour lui je vais refaire une vidéo. Donc voilà, dédicace à toi, je sais pas comment tu t'appelles, j'ai oublié ton pseudo. Voilà. Allez, on est parti.